Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis dans mon atelier, je vous montre pas, c'est Hiroshima, c'est le bordel. Vivement que j'ai fini de tout vendre, hein. Bon, je vous rassure, il restera des choses, hein. Je vais pas vendre tout. Pour ceux que ça intéresse, bah, du coup je remettrai l'adresse du groupe que j'ai ouvert pour ce que je vends de mon atelier sur Facebook. Je vous remettrai l'adresse du groupe en barre d'infos. Donc, il y a déjà pas mal de choses qui sont parties, mais il en reste beaucoup. Aujourd'hui, coloriage. Je suis essoufflée. J'ai plus 20 ans, hein, vous savez. coloriage. Aujourd'hui, c'est la fin de Manga Style, voilà, de Kevin Theo Hart. La preuve, vous voyez, je n'ai plus de première jeunesse, j'ai la mémoire qui file. C'est la dernière vidéo sur ce coloriage. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je fais aujourd'hui sur ce coloriage? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Bon, vous verrez. Je sais qu'il y a le fond. C'est déjà pas mal, hein, vous me direz. Il y a le fond. Je crois qu'il y a les fleurs. Voilà, ouais, il y a les fleurs dans les cheveux, je crois. Je sais plus. Oh, je sais plus ce que j'ai fait sur ce coloriage. Oh là là. Bon, ce sera la surprise, hein, vous verrez. Donc, celui-là sera terminé. Et voilà, donc vous voyez que je suis vachement en retard sur mes vidéos en ce moment, parce que celui-là est terminé depuis un petit moment, là, quand, là, au moment où je vous parle, ça fait un petit moment que le colo est terminé, mais bon, depuis, j'en ai recommencé un autre, hein. Et là, je vais avoir un défi à faire. Merci Ludovic. Non, mais c'est sympa les défis, j'aime bien. Donc là, Ludovic m'a remis un défi à faire, puisqu'il a vu que j'aimais les mangas. Il m'a demandé de dessiner un manga. Mais bon, parce qu'il a entendu dans ma vidéo, ma dernière vidéo, que j'aimais dessiner les mangas. Hein. Attention. Donc, j'ai noté que je relevais le défi. Bon, ça va pas être fait demain, hein, parce que là, je suis en train de terminer un colo, enfin, de faire un colo. Donc, une fois que ce colo sera terminé, je ferai mon défi. Voilà. Merci, Ludo. Sinon, bah, rien de neuf. À part que j'ai mal au crâne en ce moment, je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours mal au crâne en ce moment. Et vivement que mon médecin revienne, parce que là, c'est une remplaçante et j'aime pas les remplaçants. Donc, elle est peut-être bien, hein, mais j'aime pas les remplaçants. Donc, tant qu'il n'y a pas d'urgence, j'y vais pas. J'attends. Bon, il revient le 23, donc ça va, il y a pas encore beaucoup de jours à attendre. J'irai quand il sera revenu. Sinon, puis déjà, bon, à la fin du mois, le 31, j'ai la scintigraphie, hein, pour la thyroïde. Et après, j'attends, ben, ma date d'opération. Voilà. Donc ça, je ne sais pas c'est quand. Bon, j'aurai sûrement un rendez-vous avec l'anesthésiste. Ça, c'est pareil, je ne sais pas c'est quand. Donc, on verra. Je vous tiendrai au courant. Peut-être pendant 2-3 jours, j'aurai du mal à parler, je pense, puisque ça va se passer là. Hein. Donc, il n'y aura peut-être pas de vidéo pendant 2-3 jours au moment de l'opération. Mais bon, on en reparlera le moment venu. tiens, chercher un pot avec des pinceaux, il est là-bas. Vous voyez. Oh là là, quand je vois l'état de mon atelier. Oh. Il y en a partout.
tout. Mais alors, j'ai retrouvé des choses. Tiens, j'avais ça. J'avais déjà dit, hein, mais je continue à le dire. Il y a des choses que je ne savais pas que j'avais. Si, tiens. Mais bon. Il y a des choses que j'ai mis en vente qui ne partent pas aussi. Mes dernières des créations que j'avais faites qui ne partent pas. Dommage. Mais bon, elles sont dans le groupe. Hein, donc, si ça intéresse, allez voir dans le groupe. Le lien est en barre d'infos. Sinon, voilà. Hier, j'ai pas, bah hier, j'ai rien fait. J'ai pas bougé de chez moi hier. Je pouvais pas. Parce que hier, c'était l'enterrement du jeune homme dont je vous ai déjà parlé. Et comme il y avait la famille avait demandé, enfin, c'était les derniers vœux de ce jeune homme, avait demandé qu'il y ait un. Comment on appelle ça? Je ne retrouve plus le mot, mais qu'il soit accompagné de tous les motards jusqu'à sa dernière demeure. Enfin, c'était un crématorium, hein, ce n'était pas un cimetière, c'était au crématorium. Il y avait un monde fou, mais un monde fou. J'ai mis les vidéos sur mon Facebook. Déjà dans mon village, devant la maison, sa maison, il y avait un monde fou, des motards, des gens de ma ville, de mon village qui étaient là juste pour le saluer à son départ. Mais un monde malade. Il y a eu des articles dans les journaux, sur Internet. Je ne sais pas si les journaux papier, ils l'ont fait. Mais il y avait déjà plus de 500 motos pour l'accompagner. Et au crématorium, du coup, il y avait un monde, mais pas possible. Je crois que le crématorium n'a jamais vu autant de monde là-bas. Et je continue à dire que sa maman était d'une force incroyable. Parce que bon, dans les vidéos que dans, puisque, ils ont fait les, il y a eu des vidéos pour ceux qui ne pouvaient pas y aller, hein, bien sûr. Et on a vu le cercueil sortir de la maison. Un cercueil noir, puisque lui, il voulait du noir, il voulait des roses noires, il voulait. Voilà. Et c'est la famille qui a porté le cercueil. La maman a porté le cercueil aussi. Et donc, vu la foule qu'il y avait à la sortie, à la maison, donc, comme je dis, c'est la famille qui a sorti le cercueil de la maison. Et ben, ils ont fait comme ils avaient fait avec son fauteuil roulant quand ils sont revenus de la Belgique. Et ils ont porté le cercueil à bout de bras pour que tout le monde le voie et avant de le mettre dans avant de le mettre dans le corbillard. Ça fout les frissons. Ça m'a remis les frissons hier. Et après, ils ont été accompagnés. Donc, ils ont été. Le crématorium est à quoi, 30, plus d'une trentaine de kilomètres de chez nous, ici, enfin du village. Et les motards, donc tous les motards, donc les 500 motards ou plus, je ne sais pas, les ont accompagnés jusque là-bas. Donc, à 30 à l'heure. Nous, il y avait la mairie avait prévu ici pour que la route soit bloquée, pour qu'il puisse passer, qu'il n'y ait pas de personnes qui doublent, qui passent, pour que ça roule à 30 à l'heure. Ils avaient fait tout ce qu'il fallait. Et donc, ils ont fait le chemin comme ça jusque là-bas. Et ce qui m'a mis encore le plus les frissons,
dans les vidéos que j'ai pu voir, c'est que la maman est sortie du crématorium avec, je crois que c'est son compagnon, et puis le plus jeune de ses fils, il doit avoir 12 ans, je pense, je ne sais pas quel âge il avait. Ou alors un de ses neveux, je pense, je ne sais pas. Je ne sais pas qui c'était, mais enfin, c'était un très jeune. Et elle a fait tout le tour avec le poing en l'air, tout le tour du crématorium, donc du parking d'abord. Et elle a été dans la rue, comme ça, pour dire de remercier tous les gens qui étaient là. Mais elle est d'une force, cette femme. C'est vrai qu'elle était en train enfin, c'est pas un enterrement puisque c'est au crématorium, mais elle était en train d'accompagner son fils. Je sais pas si moi je pourrais. Non, franchement, je sais pas si je pourrais. Mais elle est vraiment d'une force incroyable, cette femme. Mais bon, elle s'est quand même occupée de son fils pendant 3 ans. Et j'ai appris donc dans les articles de journaux qui ont été faits que lui avait choisi la date de son dernier jour de vie, donc le 12 août. Il n'a pas choisi cette date au hasard. Le 12 août, c'était le jour de son accident. Voilà, en 2018. Et il a donc choisi cette date-là spécialement pour terminer sa vie. Voilà. Donc, ça, je ne savais pas et je l'ai vu dans le journal, enfin, dans l'article du journal. C'est lui qui avait choisi expressément cette date-là. C'était la date de l'accident. Donc, ça faisait 3 ans pile qu'il avait eu son accident. Mais ça fout les boules. Hier, j'ai continué à regarder les vidéos. Mon fils y a été, puisqu'il est motard, il a une moto. Il a accompagné et il a été avec ma belle-fille, bien sûr, avec sa femme. Mais bon, j'avais vraiment les boules, rien qu'à regarder. Bon, ah bah vous voyez, hein, ils ont encore les bouboules. Et là, dimanche, donc c'est pareil. Dimanche, ils vont faire une marche blanche. Donc, dans mon village, qui va démarrer de sa maison jusqu'au lieu de l'accident. L'accident a eu lieu dans le village d'à côté. Donc, ils vont faire une marche blanche, toujours en hommage à Geoffrey, mais en même temps, pour un peu, c'est une marche blanche un peu pour manifester en même temps pour. L'euthanasie qui n'est toujours pas autorisée en France. Voilà. Donc dimanche, là, ce dimanche ici, ils vont faire ça en même temps. Donc je pense qu'il va y avoir encore beaucoup, beaucoup de monde pour ça. Voilà. Bon, mais là, je pense qu'il n'y aura pas de moto puisque c'est une marche blanche. Donc ce sera à pied, je pense. Mais je pense qu'il va y avoir énormément de monde encore dimanche. Voilà, bon, je ferme la parenthèse. Mais bon, je suis tellement touchée par cette histoire qu'il fallait que je vous donne la suite de cette histoire. Voilà. Ceux qui veulent voir les vidéos que j'ai partagées hier, ben, elles sont sur mon mur. Donc maintenant, je vais vous laisser regarder la vidéo parce que j'ai assez blablaté. Et je vais vous faire plein de gros bisous. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous!